Nous sommes réunis ce soir à la CENI pour la proclamation des résultats partiels définitifs des élections communales du 4 février 2018. Vous n'êtes pas sans savoir qu'à l'issue de ces élections, il y a eu des drames qui ont endeuillé certaines familles de notre pays. Des dégâts matériels et des blessures importantes ont été apportées à certaines personnes, tant physiques que morales. Pour cela, je sollicite qu'il vous plaise d'accorder une minute de silence aux personnes décédées pour que leur âme puisse reposer en paix. Chers compatriotes, chers invités, mesdames et messieurs, après plus de 10 ans d'attente pour le peuple de Guinée, nous avons finalement eu l'heureuse opportunité de nous rendre aux urnes le 4 février dernier pour renouveler le mandat de nos élus au niveau des 342 communes urbaines et rurales. Ces élections communales étaient pour la Guinée un rendez-vous majeur, car il s'agissait de faire le choix des dirigeants à qui nous allons confier les destinées de nos collectivités pour 5 ans, les 5 prochaines années. L'enjeu était double, celui de consolider la démocratie à la base et renforcer la gouvernance locale. Comme pour tous les rendez-vous avec son histoire, le peuple a voté. Il s'est exprimé dans le calme et la sérénité. Rendons-lui hommage pour cette maturité et ce sens civique élevé. Permettez-moi également d'exprimer notre gratitude au gouvernement, aux structures de l'État et aux partenaires techniques et financiers pour les appuis multiformes et l'accompagnement de tous les instants au long de ce processus électoral. À la classe politique et aux parties prenantes à ce scrutin communal, la Commission électorale nationale indépendante voudrait dire sa satisfaction pour avoir contribué à ses côtés à rendre ces élections inclusives. Je voudrais ce soir, donc, que chacun trouve ici l'expression de l'infinie gratitude de la CENI. Je voudrais dire aussi qu'il reste encore du chemin, d'autres défis à relever, sans doute autant exigeantes que les précédentes. Que nous reste-t-il donc? Recevoir dans nos 342 circonscriptions les résultats provisoires des commissions administratives de centralisation de vote CACV, agissant au terme de l'article 113 du Code électoral. Il nous reste également de suivre les contentieux portés devant les juridictions nationales. Si le contentieux il y a, les juges sont dans ce cas les seuls habilités à vider les contentieux des élections communales. Que nous reste-t-il encore? Recevoir les résultats définitifs avec le président de la CENI selon l'article 113 du Code électoral révisé, qui stipule que le président de la CENI proclame les résultats définitifs 48 heures après réception du dernier procès-verbal. C'est l'objet de la présente cérémonie, mais avant, des précisions s'imposent. 1. La CENI ne dispose pas encore de la totalité des résultats ou des procès-verbaux du scrutin communal. 2. Certains résultats ne sont pas encore parvenus à notre commission de totalisation des votes, ici à la CENI. 3. D'autres procès-verbaux font l'objet de contentieux devant les juges,
dans les circonscriptions. Il est impératif que les juridictions statuent et vident le contentieux avant toute procédure de proclamation. Donc, c'est vous dire que les résultats disponibles, les procès-verbaux que nous avons reçus ici à la CENI, environ 263 procès-verbaux sur 342, et qui seront proclamés au fur et à mesure de leur traitement, seront les résultats définitifs, mais partiels. Je dis bien résultats définitifs partiels. Les résultats partiels de 263 procès-verbaux sont disponibles en fonction des circonscriptions. La CENI proclamera les résultats au fur et à mesure qu'ils nous parviennent des commissions administratives de centralisation de vote. Il nous faut faire preuve de fair play politique et de sens de responsabilité. Une élection est une compétition, ce n'est pas la guerre, ce n'est pas une belligérance. La Guinée a besoin de paix pour poursuivre son combat pour la démocratie, tout comme il lui faut de la stabilité pour consolider ses assises économiques et sociales. Pour tous ces challenges, chacun doit jouer sa partition au nom de l'intérêt général et du bien commun. Que Dieu garde la Guinée, vive la démocratie, je vous remercie. À présent, nous avons...